Hello guys, ça va fait. Bienvenue dans l'émission Power qui c'est Bio Talent Stars. Ya, ou dis ça fait longtemps pas ouais, non, mais c'est pas campé, nous t'es campé. C'est suite avec quelques petites difficultés que nous t'es rencontrées par rapport avec droit d'auteur. On est là, nous fait vidéo, direction, comme ça, nous parlons de droit d'auteur sur musique, yo. Il y a un artiste qui a choisi de reporter, nous, c'est ça, faut pas attendre nous. Donc, nous tournons pour de bon et nous venons parler avec vous de ça qui fait actualité dans la rue. Rétez en venir. Chers auditeurs, nous avons la première partie de l'émission. 10 juillet, t'es chaud parce que 10 juillet, t'as eu deux gros albums qui sortent pour rap créole là. C'était Kenny Fest avec Méchanceté. Donc, on boit pendant ou après jouer l'album, on boit et ça t'es sur après jouer l'album. Mais quand c'est inconvénient qui arrive, c'est par rapport avec l'album Méchanceté ou Diat, international. Kendrick Lamar qui featuring sur l'ancien AI, t'as eu une petite difficulté ça. Mais nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons parler des artistes qui featuring avec Méchanceté sous Musique Amanda. C'est de lui nous allons parler aujourd'hui. Monsieur les Lax, nous venons parler de Lax aujourd'hui, ben LAX, nous venons parler de Monsieur aujourd'hui. Restez branchés, guys, snap tourné. Attendez ça, guys. Damilo la follow bid de Lax. Qui côté Monsieur fait? Monsieur fait 10 avril 1993 Lagos au Nigeria. Mais soit regardez dans biographie Lax, soit pour mettre Lax, c'est anglais. Peut-être que c'est parce que nous t'es puis depuis jeune l'âge, Monsieur. Trump, c'est depuis en avril, étude primaire, monsieur. C'était traversé en Angleterre pour aller faire étude secondaire avec l'université. Peut-être ça, il a plus gardé monsieur comme un anglais qu'un nigérien. Eh bien, Lax, tout petit, monsieur, il a commencé à chanter tout petit. Tout petit, monsieur, avec des amis, il était dans un groupe qui était les Fly Boys. Donc, deux Fly Boys, et en 2012, Lax a battu un petit peu de musique sur LOL. Et de là étant, Whiskey était avec Starboy, était maître. Et t'as pas le ouais talent là ça va jouer les Lax ont talent tête chargée depuis 20 août 2013 Lax t'as pas le signe avec Starboy Entertainment mais Starboy c'est la belle Whiskey dans toute musique Whiskey tu ou quatre vous avez Starboy mon point c'est la belle et Whiskey et bien Lax fait des deux parents nigériens mais où qu'on est j'aime dire non il était quitté Nigeria jeune peut-être ça regarde Lax comme en artiste anglais. Eh bien, guys, après que j'ai fini avec Starboy Entertainment, j'ai sorti une musique qui est K.O. Eh bien, K.O., t'as pas le reporté en 2014, t'as pas le reporté titre, meilleure musique, mais t'as pas le bail Lax, titre, meilleur artiste étranger de l'année, ou bien artiste diaspora de l'année. Peut-être qui ça regarde monsieur comme artiste diaspora de l'année, c'est parce que nous t'es dit, monsieur qui est nationalité anglais. Donc, monsieur c'est africain, regarde monsieur comme anglais. C'est même si on est capable de dire pour j'en regarde Kodak Black, pour j'en regarde Jason Derulo, pour j'en regarde Moon, ça va être un jour. Eh bien, Lax, ça va commencer avec, ça va arrêter dans Starboy, ça va commencer à frapper déjà avec Starboy, musique, ça va sortir, succès, ça va multiplier. Jusqu'à ce que Lax, ça va sortir deuxième et musique encore, qui était chaud, même genre type musique, c'était Ginger qui signifie gingembre, qui était chaud. On comprend que ça va le bailler plus succès toujours. Et puis Lax t'a jugé le bon en 2016 pour t'a former propre label Pal qui c'est Rasaki c'est le label par Lax. On a la somme nous besoin featuring avec Lax ou besoin avec Rasaki parce que Rasaki c'est label Lax, vous comprenez? Sous besoin featuring avec Lax dans moment là, on vient avec Rasaki puis Rasaki a bon prix. Donc pour quand méchanceté, nous pas connait si c'est gratis ou bien si c'est payant. Vous comprenez il fit la tête fait parce que nous pas dans cette partie ça nous pas là nous ça. Mais ça nous connait Lax avec Méchanceté son belle collaboration musique Abanda son très belle musique liée. Et mes gars, c'est là que nous devons pour aujourd'hui. N'am dou encore, pas oublier, avec ou sans c'est international yo, album Méchanceté a son bel album. Continuez à attendre, continuez à partager, continuez à streamer sur toute plateforme yo net. Vous comprenez faire ça mon attendre, on prend Amanda son très belle musique. Et toute musique sur album son très belle, c'est de très belle musique. Méchanceté pouvait nous briller lycée une parmi gout rappeur et haïtien yo et c'est Lax que vous pour aujourd'hui, guys. Mais des branches, pas oublier Lax. Au compte popularité Lax, c'est par rapport avec l'album Méchanceté sous lit. Parce que Lax, c'est quand même populaire pour Africains, mais pour nous-mêmes, nous autres, Lax, pour nous, nous sommes déjà arrivés sous nous. Vous comprenez? C'est-à-dire, si Lax gagne, même si pour Méchanceté, pour nous arriver sous le public africain, j'en arrive à, c'est par rapport avec Lax, il va arriver sous lit. Vous comprenez? Eh bien, guys, c'est Lax que vous pour aujourd'hui. Hein? Damilo la Afolobi, on prend pas oublier mais façon qu'a aider nous c'est abonner, j'aime, partager, quitte un commentaire pour nous dire nous qui a tout amène pour pour la prochaine émission. Pas oublier la prochaine émission en tout. Artiste cap gain c'est Kendrick Lamar, comme un couple pour featuring avec Kendrick, tout ça on prend. Bye bye guys, à la prochaine.